congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. L'atelier d'évaluation du plan de la réforme de FARDC s'est ouvert le lundi 26 juin 2023 dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Ces travaux sont organisés du 26 juin au 4 juillet 2023. Dans son intervention, le général de brigade Bolenge Didier, conseiller de la réforme du chef d'état-major général, a souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a par la suite circonscrit le contexte de la réalisation de cet atelier, les objectifs poursuivis et les résultats attendus à l'issue des travaux. Cet atelier connaît la présence des différentes autorités et des partenaires, notamment les représentants du conseiller spécial du chef de l'État, le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et de la représentante de la MONUSCO. Toutes les allocutions ont convergé vers la nécessité de la révision du plan de la réforme afin de l'adapter aux risques actuels et futurs. C'est pour la promotion d'une paix durable en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le général-major Chico Tshitombe Jérôme, sous-chef d'état-major en charge des opérations, a transmis aux participants les salutations du commandant suprême du FARDC, du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant et du chef d'état-major général. Il a remercié tous les participants pour avoir répondu spontanément à cette initiative et pour leur contribution à ces assises. Il a également remercié tous les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement au processus de la réforme du FARDC. Il a enfin salué les avancées notables enregistrées ces jours avant d'évoquer certains défis auxquels est confrontée la mise en œuvre efficace du plan de la réforme. L'évaluation du plan de réforme de notre armée que nous avons mis au gouvernement de la République à travers la décision du Premier ministre, chef du gouvernement, qui, dans sa lettre de mission du 25 janvier 2022, avait enjoint au ministre de la Défense de mettre à jour le plan de réforme de l'armée en vue de disposer pour les forces armées de la République démocratique du Congo un nouveau document d'espérance pour leur réunification. L'importance de la réforme des forces armées depuis la démocratie. En matière de sécurité et de défense, ce plan est indispensable et avait été conçu pour nous permettre de créer une nouvelle armée professionnelle, moderne et crédible par le plan national, régional et international. Depuis 2005, jusqu'à ce jour, le plan de réforme a subi plusieurs blocages, soit les différentes agressions à travers le CNDP, la M23, la M23bis, la PAO. Ça peut être plus de trois décennies de votre armée était sous la PAO, sans oublier une marque d'une loi de programmation militaire. Chers participants, votre participation à cet atelier reste capitale et incontournable pour la nation.
Messieurs, mesdames, permettez-moi de vous remercier encore une fois d'avoir une fois à travers la présentation de la réforme de cette idée pour les efforts que les tests du doyen pour accompagner nos forces armées dans l'évaluation de la réforme. Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert la délai de l'évaluation du plan de la réforme de l'armée. Je vous remercie. Les meilleures conditions de travail constituent un facteur majeur d'un bon rendement et de productivité dans la vie de toutes les nations. Deux ans après son installation en Ituri, l'auditorat supérieur et la cour militaire sont dorénavant dotés de leurs propres bâtiments. Ceci grâce au financement de la MONUSCO à hauteur de 69 000 dollars américains. La cérémonie de la remise officielle de ces ouvrages aux autorités judiciaires a eu lieu ce mercredi 28 juin 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri. Pour le colonel magistrat Joseph Makelele et Dienga Akelele, respectivement auditeur supérieur et premier président de la cour militaire, cette dotation va contribuer à la restauration de la justice en Ituri. Cette œuvre cadre dans la politique et les efforts combien louables du chef de l'État, son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et magistrat suprême, s'accorde aucun répit pour imprimer au premier plan une bonne collaboration avec la MONUSCO pour l'essor de nos institutions judiciaires. C'est un honneur pour nous d'avoir pu obtenir ce bâtiment, et parce que c'est pour la postérité, c'est pas seulement pour nous, c'est pour la postérité que cela est érigé, et nous pensons qu'il y aura de meilleures conditions de travail pour les magistrats. Et là, pour nous du parquet, ça peut mieux assurer les secrets de l'instruction. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, d'inviter les bénéficiaires d'en faire un bon usage. Chères autorités judiciaires militaires, particulièrement ceux de la cour militaire et de l'auditorat y rattaché, c'est au lendemain de l'instauration de l'état de siège que votre juridiction aussi a été installée en Ituri. Les conditions dans lesquelles vous aviez été accueillis n'était pas du tout digne de recevoir des hauts magistrats que vous êtes. Une bonne justice élève une nation. Je suis persuadé que le droit qui sera dit dans ce bâtiment répondra pour l'intérêt supérieur de la restauration d'un état de droit et non pour des faits individuels. Il faut dire qu'une visite guidée sur les différents compartiments de ces bâtiments a clôturé cette cérémonie. C'est dans ce cadre qu'une délégation de déplacés du site d'Ekigonze et de l'ISP Bounia, conduite par le président de la communauté NT, Dr Lonema Vajiru, a tablé sur la question avec le gouverneur militaire de l'Ituri ce mardi 27 juin 2023. Nous avons accompagné ces déplacés pour la première fois rencontrer l'autorité de la province et aussi partager avec lui ses problèmes quotidiens. Nous avons, entre autres, parlé beaucoup plus des difficultés qu'ils connaissent du jour au jour. C'est depuis bientôt 8 mois, ils n'ont pas encore été visités par nos amis humanitaires qui leur fournissent des vivres. Mais à côté de problèmes de nutrition qui s'avèrent aussi un problème très crucial au sein des sites, non seulement les sites de Kigonze, de l'ISP, mais aussi les sites de l'intérieur qu'elle représente ici, ils ont également noté aussi les problèmes de santé. Et l'autorité a également aussi promis de pouvoir de contacter sa hiérarchie, donc au niveau national, pour que des solutions rapides soient trouvées aux problèmes de déplacés. Soucié d'apporter une solution urgente et efficace à ces problèmes, l'exécutif provincial promet plaider auprès de la hiérarchie militaire et politique. Il s'est de rappeler que plus d'1 700 000 déplacés sont identifiés en Ituri depuis 2017 à la suite de la violence armée. Notons également que l'avènement de l'état de siège a permis et facilité le retour progressif et sécurisé des populations dans les territoires de Djougou, Irumu, Mambasa et Mahagi avec la plus logistique de l'armée où actuellement ces populations aspirent une ère de paix.
Hélène Lousseigneur, reçue par le gouverneur militaire de l'Ituri dans sa nouvelle casquette de coordonnatrice enjointe du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Une responsabilité qui implique beaucoup en termes d'engagement pour la paix en RDC. Ce sont des engagements signés au niveau national et qu'il y a sept piliers sur lesquels le pays s'est engagé. La réforme de la justice, la réforme des services de sécurité, il y a la cohésion, la tolérance, la démocratie. Donc il y a plusieurs points. Et donc nous devons travailler sur ces points pour voir où est-ce que nous en sommes avec la réforme de la justice. Où est-ce que nous en sommes avec la réforme des services de sécurité? Où est-ce que nous en sommes avec la cohésion, la tolérance, la démocratie dans les communautés? Qu'est-ce que nous faisons pour que ça arrive à se réaliser? Sans surprise, les avancées significatives enregistrées sous état de siège en Ituri ont une fois de plus marqué le cœur de cette militante et artisan de la paix de première heure en province de l'Ituri. Les routes sont asphaltées, même jusque vers le bureau de Sofepadi là-bas. J'ai vu les routes asphaltées, il y a des avancées. Non, je pense qu'il faut quand même reconnaître. Il y a des gens, des bonnes volontés qui travaillent vraiment pour que ça change. Mais il y a l'ennemi aussi qui travaille pour détruire ce qui est en train d'être fait. Et c'est ça le mal. Et que la communauté doit dénoncer ces gens-là et les extirper dans les communautés. En toute objectivité, Mme Julienne Lousseigneur appelle tous les Ituriens à participer activement dans la recherche de la paix aux côtés de l'administration militaire. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer à faire la violence, à instrumentaliser les jeunes pour qu'ils continuent à faire. Il faut arrêter. Vous, les jeunes, on est en train de gâcher votre avenir. Et leurs enfants étudient. Ils vont revenir pour diriger l'Ituri. Revenez. On va construire, on va avancer, on va faire le développement. Notons que pendant son séjour, la coordonnatrice nationale de la SOFEPADI tiendra une assemblée générale à l'issue de laquelle elle va passer les bâtons des commandements de la SOFEPADI à une autre personne en vue de se concentrer totalement dans ses nouvelles fonctions au service de la nation congolaise. Les cours de base et d'état-major, c'est même en sigle. Dirigé par le colonel diplômé d'état-major Makengo Kibala Hippolyte, a reçu une délégation mixte franco-congolaise conduite par le colonel diplômé supérieur des études militaires Katamai Tino Philippe ce mardi 27 juin 2023 dans le cadre de l'évaluation des stagiaires du cours de base et d'état-major. Le programme des épreuves était présenté par les conseillers français à l'école de commandement et d'état-major de Kinshasa, le lieutenant-colonel Verpi en ces temps suivant tous. Donc aujourd'hui, vous allez faire trois épreuves. On vous l'a déjà dit normalement, on vous l'a déjà dit. Donc trois épreuves. De 9h à 12h30, culture générale. Ensuite, vous aurez une pause de 30 minutes. De 11h à 11h45, topo. Pause midi. 14h15h30, tactique, et après c'est tout. Ok ? Est-ce qu'au fond vous m'entendez ? Oui. Okay. Est-ce que tout le monde a bien déposé son téléphone portable éteint ? Super. Sur les tables, on ne va trouver que le stylo, pas de documentation, uniquement les feuilles de brouillon qu'on vous a distribuées, et de quoi écrire. L'évaluation de 232 stagiaires s'est déroulée dans le calme, sans aucun incident. Ce jeudi 22 juin 2023, de 10h à 16h30, les officiers et sous-officiers marins du 14e groupement naval ont bénéficié de deux ateliers de formation, les avant-midi et les après-midi sur mer, suite à une escale d'un bateau français dénommé Commandant Bureau sur nos eaux territoriales, dans le cadre d'un programme d'instruction opérationnelle, où plusieurs thèmes ont été développés, à savoir présentation d'un drone embarqué, du matériel de plonge, du système de détresse et de sécurité sur mer, météo, travail sur carte, pour ne citer que cela. Tout s'est clôturé par le mot du commandant 14e groupement naval, sous un cocktail devant l'état-major de la 141e base navale de Banana, suivant en image. Il y a un navire français
un navire de guerre qui est dans nos eaux territoriales, plus proches de nous ici, dans les cadres qui nous lient. Et si l'action d'État en mer, il a fallu que nos éléments soient aux côtés des autres pour bénéficier d'une certaine formation. C'était prévu que la formation en question s'efface en atelier ici chez nous. Malheureusement, l'autre côté, il y a la décision, c'est que ça s'efface à bord de leur navire au niveau de l'océan. Les nôtres sont partis. La technique faisait défaut. Des de nos vedettes sont tombées en panne. Raison pour laquelle il y a eu ces retards-là. Mais les amis qui sont venus de la France devraient nous rejoindre ici. Malheureusement, il a fallu qu'ils soient ici autour de 15h30, 16h. Mais nous sommes au-delà de ces terres-là. Pourquoi ? Parce que ce protocole a été fait pour accueillir nos frères français qui nous aident dans le cadre complémentaire de la formation que nous avons. Pourquoi ne pas nous aiguiser ? Raison pour laquelle j'ai dit à mon frère français, merci de cette partie. Encore une fois, merci pour votre participation. Merci pour aux camarades français qui sont là. Les gens de Rivière vont arriver. Merci. La haute cour militaire a entamé vendredi 23 juin 2023 à Kinshasa la lecture de 4 clés USB retenues sur les 11 saisies lors de la perquisition de résidence du prévenu Mwangatutu Easy Edouard. Après exploitation des documents contenus dans ces supports, l'auditeur général, ministère public, s'est dit très satisfait de voir démontrer son accusation selon laquelle le député Mwangatutu est très rattaché au Rwanda. Il a indiqué qu'il y a même le certificat d'enregistrement d'un immeuble que le prévenu a cédé à son fils à Kigali. L'organe de la loi a été joint par les avocats de la République démocratique du Congo qui ont constaté qu'un document parle de l'Organisation internationale de migration qui collabore avec la diaspora rwandaise. Devant le juge, le prévenu Mwangatutu n'a pas reconnu les faits. Pour lui, il est de nationalité congolaise et tous les documents visionnés ont été inventés par des personnes qui veulent tout simplement le rendre ridicule. Le collectif de la défense a souligné que la découverte de toutes ces pièces sur flash disk ne constitue ni des aveux pour son client, ni la falsification par rapport à la vérité. Pour la haute cour militaire, la visualisation des documents sur flash disk trouvés dans les archives du député Mwangatutu concourt à son éclairage pour lui permettre d'apprécier. Aussitôt rentré de Kisangani dans la province de la Tchopo, le chef d'état-major général a présidé à Kinshasa une causerie morale à l'intention des militaires. 4 points clés ont constitué son speech, à savoir la mission des FARDC, la loyauté de l'armée, la discipline et l'encadrement des militaires. Outre la mission régalienne des FARDC, la loyauté de l'armée, la discipline qui ont fait l'objet de notre premier, deuxième et troisième extrait, le chef d'état-major général a évoqué l'encadrement des militaires. Il a à cet effet insisté sur le contrôle des militaires par leurs commandants et les déplacements sans autorisation d'une province à une autre, mais également la tenue des parades militaires dans les unités. L'encadrement y a des soldats. Je pense qu'il y a la logistique pour la dotation, il y a la tenue. Encadrement, il y a un soldat, commandant, et Sengeli ont encadré un soldat d'ailleurs. Un soldat d'ailleurs, un million de divagations.
na uti kopesa mitindu ba récupérer ngai ba soldats nyoso ba wane kofanda awa na Kinshasa des 100 unités. Donc au jour d'aujourd'hui la ville ya Kinshasa tout ça atteint un élément mon côté oyo ko bien ngama 100 unités ce qui va kangir directement le renseignement militaire prison. Comment soldats à Costa Rica à Kinshasa comme élément sans unité? Comment on peut se retrouver à Kinshasa? Il y a un élément, on a dit tenir, mais que mon sont bien, mais notre contrôle biométrique n'a pas donné aux attaques. Il y a un outil. Et Sengel, il y a des sections, il y a des soldats, il y a des wapi, il y a des wapi, il y a des wapi. Si il est absent, et Sengel, il y a des aza absent pour la nuit. Et le chef Pléton, en tant que patron, il y a Pléton. Et c'est qu'il y a au moins un rapport à ce que ça y a dans cette section. Tous les jours, le matin, il y a Pléton. Au niveau de la compagnie, commandant compagnie, tous les jours, et ça la mi-temps, 14 heures, 18 heures, 20 heures, appelle la contre-appel. L'administration militaire est commandant de la compagnie. Il y a commandant de la compagnie. Chaque jour, tu dois avoir la maîtrise de la bataille. Chaque jour, tu es commandant de la compagnie. Au sein la parade de la compagnie, il y a un jour, assis à Bosalinata. Comment va-t-on bien gagner mon compte? Tu seras respecté comment? Il y a commandant de la compagnie. Va qu'on respecte un dingue. Parce que là, ce soldat n'a pas dit que le commandant n'a pas dit que le commandant n'a pas dit. Même quand il n'y a pas de soldat, il n'y a pas de soldat. Parce que le soldat n'a pas mis son terre. Les commandants imposaient les parades. Donc si tu le vois encore, parade et Sengeli et Bandakosa, les Makanaba unités. Contrôlez le soldat n'a pas. Conservateur, un soldat qui s'en a dit qu'il on a besoin de comprendre ce qu'on a fait. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Ambo Kanabiso.